Eh bien, salut les amis, ici c'est Pascal Houbet. Voilà, je vous donne rendez-vous dans un endroit un peu différent des autres fois. Je vais vous montrer l'église pour voir si les gens la reconnaissent. Donc ici, voilà. Et nous sommes à un endroit où il y a énormément de petites vaches, des dessins de vaches et tout ça. Je vous les montre aussi. Voilà, nous sommes en réalité au Grand Bornand. Nous allons aller faire un peu de VTT dans le massif des Aravis. Donc aujourd'hui il fait beau, donc c'est assez agréable. Donc demain nous allons partir pour une petite randonnée qui est une randonnée qui est reprise par l'office du tourisme du Grand Bornand. Et nous irons de ce côté-là. Bon, voilà. Donc, pour les gens qui me suivent, je suis venu l'année passée faire le lac des Confins. Et cette année-ci, ben, on est reparti pour de nouvelles aventures. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le vélo. Et bien voilà les amis, nous voilà sur le vélo avec en compagnie de Pascalou. On va aller faire une petite balade du coin du Grand Bornand avec pas mal de dénivelé. Comme vous pouvez le constater, je suis déjà un peu essoufflé parce que ça grimpe déjà. Et nous allons aller jusqu'à la côte. Donc je vais vous montrer le massif dans cette région. Donc voilà, on va admirer un peu le paysage qui en vaut la peine. Et ben voilà, comme promis, voilà la balade 3, la 4, et nous avons fait la 26 en même temps. Donc j'ai regroupé les deux. Donc maintenant on va attaquer la balade 3, qui est une balade normalement en bleu, comme sur le descriptif ici du tableau. Donc voilà, on va découvrir ça avec vous, toujours dans un beau paysage, mais bon, avec un temps incertain, orageux, ben bon, ça va le faire. À tout de suite. We'll be right back.
Et bien voilà les amis, ici nous sommes encore en altitude, mais malheureusement nous avons eu la pluie qui est arrivée sur nous, qui nous a un petit peu refroidi, et bien entendu comme un clown je suis parti sans kawaii, pensant que ça allait aller, mais bon voilà, c'est pas le cas, il fait froid, mais bon, le plaisir étant que tout se passe bien, la descente est belle, et le paysage est un peu grisonnant, mais bon, on va s'amuser quand même, on va achever la balade. Allez, on va continuer tout de suite. La balade est terminée, nous voilà revenus au village du Grand Bornand. Le temps n'était pas top, mais bon, ça a été, et c'était une belle aventure, un beau parcours. Normalement, on verra tout le monde, un beau dénivelé quand même. Et voilà. Maintenant, nous rentrons au camping L'Escale, un shoot camping à faire. Si vous voulez venir rider par ici, et donc voilà. Je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine sortie. Allez, à bientôt!